Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour un petit unboxing avec la marque Fancl. C'est la deuxième fois que je fais une collaboration avec cette marque et j'adore leurs produits. Jusqu'à maintenant, j'ai testé que le Diamond Painting sur cette boutique et cette fois, j'ai profité pour tester le point croix. Et si tout va bien, je pense que je vais avoir une belle commande parce que jusqu'à maintenant j'ai dans mon panier des produits de environ 60 €. J'attends pour voir si tout va bien et si les produits sont bien, comme je suis contente de Diamond Painting, si le point croix aussi, bah après je veux passer la commande et comme ça je peux profiter de mon code aussi. Et comme ça, je peux acheter tout ce que j'ai mis dans mon panier parce que c'est des choses qui s'en fait trop envie. Vous avez un code promo aussi de 5% si vous utilisez le code Angela. De toute façon, je vous affiche comme d'habitude sur l'écran et je vous mets dans la barre de description tous les liens. Le lien de la boutique et le lien de chaque article et le code promo aussi. Sur cette boutique, les prix d'habitude sont en lire, mais vous pouvez convertir en euros aussi. Je vous passe les prix en lire, mais je vous passe les prix en euros aussi. Comme ça, vous pouvez voir qu'il n'y a pas une énormément différence. J'arrête de blablater. J'ai 3 points croix. Et j'ai... Hop! Je les sors tout de suite. C'est pas du Johnson Day comme d'habitude parce que j'aime beaucoup Johnson Day, mais je veux essayer un peu de tout. Je veux essayer... autre chose aussi. Du coup, j'ai acheté, en tout cas, j'ai acheté que des produits du 11 CT parce que c'est beaucoup plus vite à broder pour ma part, en tout cas, parce que le 11 CT il est un peu plus grand. Je vous présente tous les trois et vraiment, j'ai trouvé une collection. C'est une pépite de collection, en tout cas pour ma part. Je parle pour moi. Je ne sais pas encore votre opinion, mais moi, j'adore cette collection. Et c'est une énorme collection, on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de toiles dans cette collection. Et j'ai hâte de voir ça tout de suite. Je veux arrêter de blablater et on va commencer tout de suite. On va prendre la première. J'ai pris cette magnifique toile. C'est de la marque DIY Cross Stitch. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu des bonnes choses sur cette marque. C'est la première fois que je prends de cette marque. Et on va voir ça tout de suite. C'est ça les sachets que j'aime pas. Voilà, c'est ça les sachets que j'aime pas. Pour ça, tout le temps, j'ai été attirée pour des toiles Johnson Day parce que les sachets zip, j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Je veux transférer tout dans des sachets comme ça qu'il vient d'Action. Ici, il y a des papiers à l'intérieur, mais je prends d'habitude beaucoup de sachets comme ça chez Action avec la fermeture. Et comme ça, je veux transférer tout à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai tout organisé dans des sachets comme ça dans ma pièce. Et moi, je suis trop contente du résultat, même pour les papiers, pour tout. Comme ça, c'est tout calé, tout nickel. Je vais faire pareil pour les trois toiles aussi parce que c'est tous les trois sont dans des sachets comme ça. Et ça, j'aime pas. Déjà, j'aime pas le bruit et j'aime pas parce que sont pas bien organisés dedans. Voilà. Mais on peut pas tout avoir. L'important, c'est l'intérieur, pas le sachet. Je vous montre encore une fois le papier. Hop. C'est ça l'image. J'aime trop. Et si je peux trouver cette image en Diamond Painting aussi, je veux bien prendre et faire parce que je trouve magnifique. Voilà pour celui-là. Ici, on a les fils, le patron et la toile. On va commencer avec le patron. C'est sur un papier glacé. Bien lisible, mais quand même assez petit. Mais bien lisible. Ici, on a la petite image. Là, on a le tabel avec les numéros. Au total, on a 25 couleurs, les symboles et le DMC. Et comme ça, le patron, voilà. Les carrés sont un peu petits, mais bien lisibles par contre. On voit très bien chaque symbole séparé. Pour ça, il n'y a pas de problème. On voit vraiment très bien les symboles. Voilà pour le patron. Ici, les fils. Waouh! C'est magique. C'est magique.
Mais j'adore cette couleur. Je les adore. Je les adore. Pour ça, j'ai été attirée de cette toile. Déjà, la fille. Vous savez très bien que j'ai quelque chose avec toutes les toiles qui ont des silhouettes comme ça, qui ont des femmes, non portes, mais qui ont des silhouettes comme ça. En plus de ça, c'est une petite princesse. Voilà, j'aime beaucoup. Vous savez très bien que même pour le scrapbooking, j'adore les papiers comme ça. Et là, on a plein, plein, plein de couleurs de bleu, mais plein de couleurs différentes. De bleu, un peu de violet aussi, blanc. C'est magnifique. Même celui-là, c'est pas du noir, c'est un bleu nuit. Voilà, comme ça se voit un peu mieux. C'est pas du tout du noir. On n'a pas du tout de noir, on a que des couleurs de bleu. Bleu bien foncé. J'adore. J'adore. C'est sur une cartonnette. C'est le genre de cartonnette que moi j'aime beaucoup. Parce que les fils, ils tombent pas d'ici. Voilà. Hop, je vais mettre tout à côté. On a deux aiguilles ici. Et là, on a la toile. Très bien imprimée. Ici, on a l'image. Ici, on a le tabel. Les numéros, les symboles, les DMC et la couleur de chaque symbole. Ça, c'est nickel. Parce que ici, on a par exemple le numéro 1. C'est un petit carré rouge avec du jaune tout autour. Mais on sait que la couleur, c'est un violet foncé. Voilà. Ça, par contre, c'est super. Il est très bien imprimé. Les couleurs sont bien foncées. Comme ça, on voit vraiment toutes les couleurs. On a un peu de confetti aussi, mais on a quand même des grands blocs aussi. Voilà. Ça va être une toile assez sympa à faire. Voilà, on voit très bien qu'il est très 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 bien imprimé. Et on voit très bien que tous les symboles sont bien imprimés à leur place. Il n'y a pas de décalage, rien du tout. La toile, il n'est pas faite sur les côtés. Du coup, il faut qu'on fasse nous parce que sinon après, il se déchire. Je vais faire ça toute seule parce que j'ai une machine à coudre. En reste, vraiment rien à dire. J'adore, j'adore, j'adore. Et hâte de le faire. Je sais, j'ai beaucoup produit. J'ai fait beaucoup des hauls et des unboxings point croix sur la chaîne. Mais c'est quelque chose qui j'adore faire. Et ça me rappelle beaucoup de mon enfance. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui ça me relaxe beaucoup. Et le point croix, c'est quelque chose qui ça me détend. Et après, je suis vraiment bien relaxée. Et en plus de ça, quand je vois les toiles et les couleurs des fils, c'est quelque chose de magnifique. Je ne peux pas trouver des mots pourquoi j'aime autant. Mais c'est vraiment quelque chose qui... En fait, je peux faire ça toute la journée et ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Tellement j'aime faire ça. La deuxième toile. Hop. Toujours le paquet qui fait du bruit. Encore un ici. Et voilà. On va commencer avec l'image. Ici, sur un grand papier, on a l'image imprimée. C'est cette magnifique fille avec un petit oiseau ici. Voilà, la taille de cette toile, j'ai pas précisé de cette toile. J'ai oublié de vous dire la toile, c'est 40 sur 50. Pour la taille de celui-là. La taille de celui-là, pareil, c'est 40 sur 50. On a le patron sur un grand papier. Glacé, mais quand même assez fine. Mais il est vraiment d'une bonne qualité, même s'il est fine. Parce que je crois pas qu'on va vite déchirer ce papier. Il est très bien comme qualité. Ici, on a les instructions. Et là, on a tout le patron. Là, l'image. Et ici, le tabel avec les couleurs, les symboles, les numéros et les couleurs. Et on a au total 44 pour celui-là. Ici, dans le cheveu, on va avoir beaucoup de confettis. Vraiment beaucoup. Regardez-moi tout ça ici. Mais par contre, les symboles sont très bien lisibles.
on voit vraiment très bien chaque symbole avec aucun souci. Celui-là, je ne sais pas de quelle marque il est parce qu'il n'y a rien marqué. Du coup, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, le patron, il est de bonne qualité. Ici, on a un petit kit qui il est différent par rapport de qu'est-ce que j'ai reçu jusqu'à maintenant. On a ici cette petite outil pour mettre le fil dans aiguille. Et ici, à l'intérieur, on a combien de fil, combien des aiguilles on a, attendez, on va tout sortir parce que j'arrive pas à les compter, ça glisse trop, comme ça on voit mieux. On a ça, on a ça pour protéger le doigt, et on a cette petite pompon, et à l'intérieur on a, on va voir tout de suite, 5 aiguilles. On a de quoi faire. Pour les personnes qui aiment utiliser plusieurs couleurs sur plusieurs aiguilles, vous avez de quoi faire. Moi, j'aime pas trop faire ça parce que j'oublie quel numéro j'ai pris. Et après, je me trouve coincée. Pour ça, j'aime pas faire ça. Mais j'ai vu une idée à une personne. Il y a comme un petit coussin comme ça avec des numéros. Et on peut mettre plusieurs fils sur l'aiguille et après piquer dans le coussin, dans l'endroit où on a les numéros. Et ça, je trouve génial comme idée. Ici, on a la toile. Toujours, on a ici l'image. Le tabel avec tous les symboles qui sont très bien lisibles. Et cette toile, il est faite sur les côtés. Du coup, il ne se déchire pas. Il n'y a pas besoin qu'on fait nous-mêmes. Et oui, j'avais bien raison, on a beaucoup de confettis ici. Mais c'est pas grave. Il est quand même magnifique cette toile. Les symboles sont très bien lisibles, sont imprimés bien foncés, comme ça on voit. Regardez, même si je vous mets comme ça, ça se voit bien clair chaque symbole. Voilà, on peut bien voir tous les symboles avec aucun souci. Voilà pour cette toile aussi. Et maintenant, on va voir. Hop, je mets tout ici. Les fils. Pour les fils, on va voir tout de suite. On a une petite tresse ici avec le numéro 40. Déjà, on sait que cette couleur, on va beaucoup utiliser. Après, ici, on a beaucoup de fils, beaucoup de couleurs. J'ai hâte de faire son cheveu. Franchement, cette image, c'est ça qui m'a attiré quand j'ai vu l'image, le cheveu. Je vous montre encore une fois sur l'image. C'est cet côté où il a cette petite tresse comme ça. Il m'a beaucoup attiré. Et son visage, cet côté, il m'a beaucoup attiré. Pour ça, j'ai pris cette image. On a le numéro qui est là. Et après, hop, on a deux cartonnettes. Hop. Et encore une ici. Du coup, là. Non, celui-là, ce n'est pas le numéro 40. Parce qu'ici, le numéro 40, on a autre chose. On a 310. Il faut que je cherche le 310. C'est quoi exactement? C'est quelle couleur? Ah, c'est le numéro 3. Parce qu'on a juste un seul fil ici. Et le reste, il est là. C'est le numéro 3 qu'on a ici. Et je crois que 40, ça veut dire qu'on a 40 fils en intérieur, dans cette grande tresse. Voilà. Là, on a de 37 jusqu'à 44. Mettre ici. Et après, ici, on a de 1 jusqu'à 36. On a ici. Toutes ces couleurs. Et on a ici encore des couleurs. Voilà. Trop hâte de faire ça pour voir le résultat de son cheveu. Je vous dis honnêtement. Et après, l'image où j'aime toute la collection, c'est celui-là. Avec cette petite fille. J'aime vraiment
toute la collection. Et il y a beaucoup dans cette collection. Et je crois qu'après que je vais finir cette haul, cet unboxing, je veux passer direct la commande. On a cette image. Il est sur un papier autocollant. Ça fait un grand sticker. Ça, j'adore. Après, je peux utiliser dans mon bullet journal, on apporte. J'adore. En fait, c'est une énorme collection avec cette fille. Cette petite fille. Voilà. C'est clair. Je passe direct la commande une fois que j'ai fini cet unboxing parce que je veux passer clair. J'aime trop. Ici, on a un papier avec les instructions. Et là, on a le patron sur un papier glacé, assez grande comme ça. Là, on a le tabel. Et on a au total 38 couleurs. On a 38 couleurs au total. Ici, on a l'image. Et ici, on a tout le parti du ciel du patron. Et là, on a tout le côté avec les fleurs et la fille. Voilà. Le patron, il est bien lisible. Il est très bien imprimé. Comme ça, on n'a aucun souci. On a toujours un petit kit ici. Pareil comme l'autre. Où on a 5 aiguilles. Non, on a 4 cette fois. Celui-là, le petit pompon. Et ça pour les fils. Et à l'intérieur, on a dans un sachet séparé, on a 5 tresses comme ça, des couleurs différentes. Ça, c'est les couleurs qu'on va utiliser vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'adore celui-là et celui-là, les deux couleurs. Celui-là, c'est un vert. Celui-là, le bleu qu'il est là, il est magnifique. Et là, on a le numéro 37 et 38. On a juste... pas beaucoup parce qu'on a ici le numéro, voilà, sur une cartonnette bien épais et j'aime bien parce que ça tombe pas les fils. Et ici on a tout ça, hop, on a tout ça comme couleur, j'adore. Et on a tout ça. J'adore. Ça me rappelle tellement de mon enfance. On faisait, avec ma grand-mère, on faisait beaucoup de broderies, on faisait beaucoup de points croix. Et, mais on faisait vraiment des grands toiles. Et il a toujours, ma grand-mère, tout. Même si elle, il est plus là. Mais on a tout gardé. Et ça, pour ça, j'aime autant. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant, parce que c'est quelque chose que j'ai fait avec elle. Et j'ai beaucoup aimé faire ça avec elle. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs faire tout avec elle. Du coup, c'est à cause de ça, je crois que j'aime tellement quand je vois tout cette file. Ça me rappelle quand j'étais petite et elle, il était en train de faire les points croix et moi en train de faire les petites bobinettes avec les fils. J'aime trop. La toile, on a encore 2 aiguilles ici, du coup on a 6 au total pour celui-là. Il est bien fait sur les côtés comme ça, ça ne déchire pas. Et celui-là, il est vraiment, vraiment grand. Il fait une taille, il est beaucoup plus grand par rapport aux autres. Celui-là, il fait 53 sur 72. Oui, il est vraiment grand. 11, c'était toujours. Waouh! Comme il est belle, comme il est belle. On a un grand tabel ici. On ne peut pas louper les symboles et les numéros parce qu'il est vraiment grand. Ça, j'aime beaucoup. On voit très bien tous les symboles et tout. La toile, nickel imprimée. Regardez-moi. On voit vraiment très bien tous les symboles, toutes les couleurs et tout. On ne peut pas se tromper. Ça, c'est génial. Et on n'a pas beaucoup de confettis. Pas du tout beaucoup parce que tout cet côté, c'est vraiment des grandes zones. Et moi, tout le temps, j'aime bien commencer avec les grands zones et les confettis à la fin.
Je sais pas si c'est bien, mais moi j'aime faire comme ça. Du coup, je crois que je vais commencer avec tout ce côté. Et après, je vais faire sur les côtés où il y a tous les confettis. Et ici, le cheveu, on voit qu'on n'a pas trop de confettis. Même ici, on a quand même des grands blocs. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il est très bien imprimé. On voit bien les détails, tous les détails. On voit qu'ici, c'est sa main. On voit qu'ici, c'est le support pour la peinture. On voit vraiment tout. On voit vraiment tout. Super, j'adore. Oui, c'est clair. J'arrête cette vidéo et je vais passer tout de suite la commande. Du coup, on va avoir à bientôt encore un énorme haul Fancl parce que je veux passer clair la commande et on va avoir beaucoup de des choses vraiment sympas à l'intérieur. Parce que cette collection, il est nickel et je crois que à partir de maintenant, dans chaque collaboration, je veux mettre une petite toile de cette collection. Comme ça, je peux avoir toute la collection plus vite possible. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je ne peux pas m'empêcher. C'est comme ça. J'espère que vous aimez les petites unboxings aussi, même si ce n'est pas forcément du scrapbooking. J'espère que vous aimez aussi les vidéos Point Croix et Diamond Painting. D'ailleurs, j'attends votre avis. En tout cas, moi j'aime beaucoup partager tout avec vous, en fait, tout ce que je fais. Pour ça, dans les vlogs, j'essaye de vous montrer du make-up aussi. J'essaye de vous montrer comment je fais mes ongles, cuisine aussi. Parce que, en fait, cette chaîne, il est faite pour vous montrer un peu tout mon petit univers et de partager plus possible avec tout le monde, pas que des albums, parce que je ne fais pas que des albums. Pour ça, je veux vous montrer. Dommage que je ne peux pas vous montrer mes livres aussi, parce que je peux parler des heures et des heures de tous les livres que je lis. Parce que vous savez très bien que j'adore bouquiner aussi. Je vais faire, je crois, un jour, une vidéo, une journée dans ma vie. Comme ça, je vous montre vraiment qu'est-ce que je fais de quand je me réveille à 5h du matin jusqu'au le soir quand j'arrête et je me mets dans mon lit. Comme ça, je peux vous montrer un peu toutes les activités que je fais. Je sais, il y a pour des personnes, c'est possible qu'ils savent beaucoup, mais pour moi, c'est jamais suffisamment. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez tous les liens dans la barre de description. N'oubliez pas aussi que vous avez le code promo et tout ce qu'il faut. Pour les prix, j'ai oublié d'ailleurs de vous donner les prix. Celui-là, il était à 7,75 lire. Ça veut dire environ de 8,98 €. Pas cher du tout pour la taille, pour les fils, pour l'impression, pour tout, mais pas du tout cher. Je crois que c'est le moins cher possible jusqu'à maintenant. Pour la fée, pour celui-là, il était à 5,15 lire, ça veut dire 5,97 €. Pas du tout cher. Je sais pas comment ils font pour avoir cet prix, mais c'est pas du tout cher. Je me reviens pas quand je vois les prix parce que sont vraiment pas du tout chers. La plupart des boutiques pour les toiles comme ça sont environ de 15-16 €, même 20 €. Du coup, presque 9 €, c'est presque la moitié. C'est pas cher du tout. Et celui-là avec cette fille, il était à 7,55 lire, ça veut dire 8,75 €. Voilà, pareil, pas cher du tout vu la quantité des fils, la toile bien imprimée et tout le reste. J'attends votre avis, mais pour moi c'est pas cher du tout. J'attends votre avis de toute façon, comme d'habitude. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.